Okay, let's go. And a very warm welcome to Pure Leaf Chefs Academy. And of course, to introduce and welcome Chef Pierre-Franck Salomon to Pure Leaf. Merci beaucoup. Je suis très fier d'être parmi vous ce soir en Afrique du Sud. Et j'ai apprécié énormément ce matin de faire une démonstration dans l'école de cuisine qui m'a reçu vraiment très professionnellement. Et ce soir, avec toute la brigade, on va essayer de vous faire un petit menu dégustation. Un mélange de mes techniques françaises avec les produits d'Afrique du Sud. Parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes. No, it's going well, we're getting there. So basically now we're just finishing up, the soup's done, so I mean the bush is fine. Just weighing out the portions now. Then on service we'll just heat up and get it hot. Donc en amuse-bouche, on a préparé une crème de petits pois avec des ailerons de volaille laqués au soja, une julienne de Manchetou et un cornet de chantilly de foie gras. Cake is setting in the blast chiller, so that's fine as well. Kate's just finishing the garnishes for it, as well as Yash, she's just chopping some herbs for the salad, so we are good to go, we're getting there. Pour suivre, en entrée, on avait un cheesecake de saumon fumé, avec une salade de fenouil, une tuile à l'encre de saison. Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé. Just taking skins off of hazelnuts. Lightly crushing for the fish sauce. Après, le poisson était un poisson local avec des petits croutons, des artichauts et des oignons sautés, le jus des artichauts et une émulsion de coriandre. Pour la viande, on est parti sur un filet de veau aux échalotes et olives avec une polenta crémeuse et les légumes du marché. Pour suivre en dessert, on avait une dacquoise aux fraises et pommes vertes avec une crème vanille, des caviar de basilic et une fraise à la rhubarbe. Minuit montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai. Pour finir avec les mini-hardises, on avait les ananas rôtis et flambés au rhum avec un nuage de noix de coco et un croustillant chocolat et cornflakes. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement. It tastes amazing, but it's so simple to make, and I learned that from him. Yeah. It's been a very productive day. Oh, I learned a lot. I learned how to, that the consistency of twills and the pan that you use makes a big difference, and also how you can make a cheesecake, a savory cheesecake. That's a first for me. I've never made a savory cheesecake. So seeing the process of it all was very interesting. J'aime bien partager mon savoir avec les autres personnes qui sont autour de moi et qui étaient très motivées, donc c'était très intéressant.